Bon ben voilà, on a quand même été sur l'île en fin de compte pour aller voir ce fameux phare. Le phare de Dexcar avec son bateau. 1h30 de voyage pour arriver sur un bout de caillou. Bon, c'est vrai que c'est joli, hein. Avec ce joli phare. Bon, alors, bon, je vais pas trop tourner autour avec la vidéo car j'ai fait pas mal de photos. Mais on est monté en haut. 273 marches. Une superbe vue. Et en descendant, ben voilà ce qui arrive. Fatigué, ça se repose. Alors là, c'est de l'autre côté. Voilà la vue qui est quand même assez sympa. Bon, là, il y a du monde, bien sûr, parce qu'on n'était pas tout seul sur le bateau. Voilà le phare. Avec les petites bâtisses, alors quand il a été construit, jusqu'à je ne sais plus qu'à l'année, là, il a été construit en 1906. Et il y avait 5 familles qui y habitaient, ils faisaient vaches, moutons, pour se nourrir, ils étaient complètement autonomes. Ils restaient là plusieurs temps. Et il fallait bien qu'ils puissent manger. Alors on a appris que ce phare a quand même été un des points stratégiques pour la guerre de 39-45, vu qu'il est le plus au sud de la Finlande. Il y a eu pas mal de batailles. Et il a subi aussi des grosses tempêtes avec des vagues de plus de 15 mètres. Et il n'a jamais été abîmé, il a toujours résisté.